Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui avec Myriam. Salam. En fait, tout à l'heure, on a fait un combat avec Yacine. Ah, j'ai capté. Elle a le maillot de Cristiano Ronaldo. Donc, elle fait du sport comme Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui, la famille, vu que vous avez kiffé la dernière fois blanc vs noir, on a décidé de faire rouge. PS jaune. Donc, moi, je vais devoir manger tout ce qui est rouge, tout ce qui est pastèque, fraise, kebab, tacos. Ah, mais c'est pas rouge, ça arrête. Ah, oui, excusez-moi. Tout ce qui est pastèque et fraise. Et moi, tout ce qui est jaune, comme tacos, frites, cheddar, tout ça. C'est parti. Pour le petit déjeuner, on va regarder ce qu'on a de chaud à la maison. Franchement, j'espère vraiment trouver des trucs parce que des trucs rouges, si j'ai rien, je mange mon pull. J'espère que papa et maman, ils ont acheté des trucs jaunes. Oh là là, la caserne d'Ali. Wesh. Il y a des pimps. Tu mangeais ça toi avant? Ouais, les pimps. Oh mais Yacine, c'est noir mais là c'est rouge. Il y a du rouge à l'intérieur. Je peux prendre ou pas? Tu pourras manger que le rouge à l'intérieur. Les tablettes de chocolat. Wesh. Ça, tu m'autorises, c'est rouge. Ouais, ça c'est rouge, je t'autorise. Ça aussi. Incroyable, Myriam, elle a des céréales aussi, incroyable. Carré, je crois que j'ai que ça en vrai. T'as du ketchup si tu veux, tu pourras mettre du ketchup sur les pimps. T'as quoi? T'as du jus pour accompagner tout ça. Ah, t'as du candy up jaune. Mais pourquoi y a du candy up jaune? Ah, regarde, y a quoi? Mais t'as cru que t'étais au CDI avec ton thé ou quoi? Non, ma fille, le thé, ça fait maigrir. Mais n'importe quoi! Ça fait pas maigrir! C'est pour ça que je suis gros. On va regarder ce qu'on a de bon dans le frigo, les fruits. J'aime pas. T'aimes pas les fruits? J'ai le droit de pas manger si j'aime pas. Ouais, t'as le droit de pas manger si t'aimes pas. Oh, regarde, t'as quoi? T'as du sirop rouge à gauche, en face de toi. Ça? Ouais. Ah non, ça, c'est le sirop de papa. On dirait des médicaments, je j'aime pas. Papa, pourquoi t'achètes ça, papa? Oh, ouais, Younes, tu vas manger les pâtes que personne veut. Quoi? Oh, les pâtes au quinoa. On va passer au petit déjeuner, les gars. Je sais pas ce qui se passe depuis quelques jours. J'ai plus faim le matin. Genre, j'ai comme un nœud ici. Bonne maman, on va voir. Eh, si ça s'appelle bonne maman, les mamans, ils font des gâteaux de malade. C'est un terrain bon. Et là, on a les pims. Moi, pour ma part, j'ai pris des tablettes de chocolat. Toi, t'es bien, c'est sûr que tu peux manger. Oh, j'ai les mêmes dans le ventre. Quoi, des abdos? Non, les tablettes de chocolat, j'ai les mêmes dans le ventre. Oh, mais je savais que je pouvais pas le retour manger. Des pims, incroyable. Je savais que je pouvais pas manger, c'est pas rouge. Bah, ouais, pas l'intérieur. Il y a du blanc, il y a du blanc. Du jaune, ça va dire je trie, ça va dire jaune. Je trie. Mais attends, fais quoi là? Tu mets du candy up et tu vas mettre des Kellogg's dedans. Ouais. Line, c'est ma soeur. Elle met le lait avant les Kellogg's. Mais respect, frère. Moi, je vais goûter les pâtes de quinoa à la sauce tomate. Oh, ça peut être ça, ça peut être un banger ça. Lait. On dirait des spaghettis normales, sauf que c'est du quinoa, c'est pas des pâtes. Lait. C'est pas bon? C'est comme si je faisais ça. Ah, bien. Et je comprends pourquoi personne ne le prenait dans l'armoire, je comprends. Je vais quand même le manger parce qu'il faut pas gaspiller. Elle est en train de prendre ses Kellogg's, vas-y, elle est trop bien. Ah, c'est des petits sachets individuels. Ils sont incroyables, vraiment, ils prennent du hop. Attends, Younes, avant de goûter, j'ai un truc à dire. J'ai ici des pâtes jaunes. Ouais. Non, mais arrête de croire, c'est pas pour toi. Hein. On va les transformer en pâtes rouges avec la sauce la plus piquante au monde. Non. Yacine, tu vas vraiment me mettre ça, on dirait du sang, frère. Non, mais mets tout. C'est pas du sang, c'est du piquant, c'est encore pire. Oh! Attends, c'est pas rouge ça, c'est noir. Mais attends, qu'on va mélanger. Quand tu mélanges du rouge et du jaune, ça fait du quelle couleur? Du rouge. Voilà. Oh non. Non, du noir et du jaune, pardon. Ça a l'air bizarre. Mais tout, Yacine, mais dose. Par contre, si c'est comme ça, je mange pas, c'est noir là. Ok, on va mélanger. On mélange. Oh la dingue. Arrête-toi de rajouter le reste. Les gars, oh là, ça me pique les yeux tellement c'est piquant. Je vous jure, quand j'ai mélangé, mes yeux sont piqués. Force à toi. Younes, de la Côte Familia. Je suis faible. Force à toi. Ok. Aïe. Si, qui a inventé ses pattes? Je sais pas. Lui, c'est un petit joueur, regardez. Myriam, non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, Myriam. Non, Myriam. Non, tu vas pleurer. Oh là là, la malade. Oh, le pompe tactique. Wesh, comment t'as le pompe tactique? Attends, fais voir la carte. Comment les gars, il y a Loot Lake? Pleasant Park, Loot Lake. Mais comment tu fais pour avoir Fortnite OG? Ça, c'est mon secret, je vous dis pas. Arrête, Yacine. Tout le monde va venir après. On est sur la nouvelle saison et toi, t'es sur Fortnite OG. Non, là, y'a que des nuls. Et après, si je vous dis, y'aura que des forts. Attends, motocross plus tilted, t'as ça, toi? Les gars, il a tilted avec une moto. Oh, le gamin, il a tilted. Eh, hey, mais c'est n'importe quoi. Il est bon. Et genre, il y a la Scar, il y a tous les pompes et tout. Il y a tout, frère. Regarde. Mais vas-y, je te laisse geeker, mon gars. Oh non. C'est quoi que t'as fait? Théma. Oh. Théma, le pompe chasseur. Mais lui, c'est trop. Il y a le pompe chasseur, il y a tout. Là, on va acheter le repas du midi. Que des trucs jaunes et que des trucs rouges. Vous savez que Myriam, elle a pris le jaune? Pourquoi? Parce qu'elle a les dents jaunes. Oh. Tu sais pourquoi t'as pris la mauvaise odeur? Pourquoi? Parce que tu pues de la bouche. Oh. Younes, s'il te plaît, achète ça. C'est quoi ça? Mais ça va pas la tête, piment oiseau, mais ça va pas la tête. Mais les oiseaux, c'est sûr que les oiseaux, c'est pas piquant. Non. Mais ça va donner du goût à ton plat. Vous me connaissez, je suis grand musclé, c'est parce que...
Je mange de la viande rouge. Bon, la seule chose qu'il y a dans ce rayon, c'est du saucisson. Et il est classé écologie. Il est classé écologie, il est classé E. Tu peux pas, tu veux prendre ça ou pas? Mais c'est du halouf. Mais non, ça c'est pas du porc ça par contre. C'est de la poule. C'est bon, j'ai retrouvé le sourire. Elle a trouvé quoi les mecs? Est-ce qu'elle va être assez grande pour attraper? Oh, elle monte. Oh là là, elle a pris des danettes. Regardez ce qu'elle a pris. Incroyable danette avec des pépites de chocolat blanc et noir. T'es parti où toi? J'étais parti faire mes courses. Ah bien. Ouais, ça c'est ça en fait, ça a le goût d'une pizza dans un tacos. Halal. Halal. Obligé. Je suis obligé les gars de prendre une pizza au porc chitu et funji. Au porc? Ça veut dire quoi porc chitu? Mais c'est du porc. T'allais prendre une pizza au porc. Du porc. T'es la porc. J'ai le choix entre du riz à la tomate italienne ou alors du riz à l'indienne. Les deux, c'est pas rouge ça. Mais toi, tu veux carana, ça c'est jaune. Non, ça désolé, c'est pas rouge. Bah, j'ai le choix qui entre ça. En vrai, ça c'est carré ça. On va prendre du riz à l'italienne. Les italiennes. Mais ça veut dire qu'ils prennent des italiennes et les mettent dans le riz. Je prends. Prends des Pringles. Les Pringles, c'est trop bon, les gars. Ouais, mais faut du jaune, frère. Les Pringles. Ah ouais, c'est jaune, c'est jaune. C'est jaune, les Pringles. C'est vrai. Okay. Oh, le repas du midi. Les gars, vous êtes team popcorn sucré ou team popcorn salé, vous? Elle a trop de choix. Elle a trop de choix. T'as rien, tout ce qui est jaune ici. On va tester. Non, mais prends pas ça, mais t'es un ouf. Du Red Bull, Prends pas ça. C'est quoi du Red Bull? T'auras des ailes. Red Bull, ils donnent des ailes à chaque fois, ils disent. En plus, dans la vie, mais Red Bull donne des ailes. Bah ouais, après, il va voler. C'est la psychiatrie, hein. On va plutôt partir sur du Oasis Pomme Cassis. Oh trop bien, regardez, je trouvais des raviolis halal. Mais vas-y, la couleur jaune, c'est la meilleure couleur. Les raviolis, j'en mangeais à l'ancienne. T'es sûr, il y aura des bonbons rouges? Non, il n'y a pas. Ça, c'est bleu. Au pire, je te En bas, regarde, en bas, mec. Attends, Younes, attends. Ils sont trop marrants, ils marquent 0% de matière grasse. Mais il n'y a pas 0, il y a combien de pourcentage de sucre? Pour le repas du midi, j'ai une idée de fou malade. Ils vont rentrer en compétition, Younes et Myriam, ils vont devoir préparer eux-mêmes leur repas. On va voir qui va faire le meilleur repas, rouge vs jaune. Vous jugerez dans les commentaires. Moi, je pense que ça va être Younes parce que lui, c'est le roi des gros. Allez, c'est parti. T'es prêt? Ok, là, on va sortir le plat. Oh, des raviolis avec une pizza. Mais wesh! Une galette de rois. Oh, je pense que t'as gagné. Je pense que tu pars très très bien pour gagner. Une galette des rois, des popcorn, des danettes, des raviolis, une pizza. Ça, c'est quoi ça? Les popcorn. J'ai testé les raviolis. Est-ce qu'on va voir, est-ce qu'on sait les mêmes que ça? C'est ce qu'on mangeait quand on était petit. Attends, mais prends, vous m'appelez pas. C'est ça ton repas? Ouais. Ah, il est grave claqué. Arrête, c'est incroyable. Des raviolis, on est à la cantine ou? C'est alors? Mais toi, ton plat de résistance, c'est des légumes. Fais-moi sa tête. Elle a goûté, elle a fait ça. T'as pas aimé? C'est incroyable. Parce que lui, il ose critiquer, du coup, moi aussi. Attends, mais c'est incroyable, espèce de menteuse. Pourquoi c'est incroyable? C'est quoi qui est bon dedans? Bah, c'est les raviolis. Et ouais, mec. Elle ment. Avant de dire. Qui a fait le meilleur repas, n'oubliez pas que c'est moi qui a tout payé. Ne l'oubliez pas, c'est moi qui a tout payé. C'est pas toi qui a choisi? Ça, c'est pas vraiment jaune, Yacine. Ça, c'est pas jaune. Si, c'est jaune. Non, c'est rouge. Il y a un peu de rouge non, ici. Non, je valide, c'est jaune, Younes. Arrête de chercher la petite bête. Quand même, ce repas, il y a beaucoup de choses. Hein. C'est bizarre, ça. C'est qui te l'a fait, de la galette des rois, là? C'est qui te l'a fait? Maman. Ah, maman, elle a avec elle. J'ai capté dans sa famille. Ça sent grave bon. Ah! Ça me rappelle les popcorns du cinéma là. Quand tu prends une grande boîte au cinéma, c'est la même chose. Je tiens à dire, pour prendre vos décisions finales, les gars, elle a pris des popcorns, des crêpes, une galette pour le repas du midi. Frère, c'est pas le repas du midi. Et pour finir, on va goûter notre yaourt d'Annette avec du chocolat. Vous voyez, elle veut même pas goûter sa boisson. Elle veut pas goûter ses chiffres. Il est claqué son repas. Genre, elle veut se désaltérer avec l'orangina, la pire boisson au monde. Wallah, c'est une des pires boissons au monde. Elle est claquée, Yacine. Tu vas lire. Quoi? Elle est claquée cette Mais boisson. C'est pas une des pires au monde. Si. Il y a quoi de pire que ça? Le Coca-Cola. La vérité, stop. C'est pas la meilleure, mais c'est pas la pire. Ah, Téma, il y a des copeaux. Myriam, t'as pas le droit d'utiliser le chocolat noir. Tu peux prendre que le blanc parce que ça se rapproche du jaune. Gars, j'ai un truc à dire. C'est la meilleure danette que j'ai goûtée avec des chocolats. Là, vous avez vu un repas d'enfant. On va faire un repas d'adulte. Un vrai repas du midi pour prendre des forces. Je suis en train de faire mes steaks. On va rajouter le riz. Y a pas un problème là? Quoi? C'est quoi ça, mec? C'est mon tablier. Mais c'est rose! C'est mon tablier, pourquoi tu rigoles? Repas du midi est prêt, la famille. Moi, j'ai fait un repas de mec mature. Tu manges ça, au moins, t'auras pas le diabète. Regardez, il a fait quoi? Il a la diète? Je suis pas à la diète. Au moins, j'aurai pas le diabète avec son repas, les gars. Je vous présente, on a du riz et des steaks. Ouais, mais c'est noir, ça, et c'est marron, c'est N'importe pas rouge. Quoi, c'est rouge. Là, je me suis pris une petite boisson, fruits et les bonbons. Va falloir que je les trie parce que là, vous allez dire que je suis un tricheur. On va prendre les Skittles. Je peux prendre les jaunes. Regarde, on va faire couler les Skittles. Moi, j'ai le droit au jaune, il y a un. Inch'Allah, il y a pas de jaune. Il y en a que un, deux. Oh, il n'y a pas beaucoup de rouge en vrai, les gars. Il y a deux jaunes. Tu peux les prendre, Myriam. J'ai le droit de prendre que les rouges. Tu vas pas, Younes. Ok, là, j'ai mes trois rouges. On a aussi du ketchup, la famille. On va goûter le riz, le bon riz. Younes, t'es en prison. Je suis en prison. Les gars, votez pour moi dans les commentaires. Bah non, il est pas en prison parce qu'il a du ketchup.
Vas-y, c'est ça pour bien. Je te jure, c'est trop sous-côté. Je touche pas mes bonbons. Je touche pas mes bonbons. Tu fais que de rigoler sur moi, touche pas mes bonbons. Ça, c'est rouge. Ça, c'est rouge. Donc, les gars, votez dans les commentaires. Votez Younes. Votez Myriam. Ou alors Myriam. Je vais regarder vos réponses. On va voir, on va voir. Allez, Loubar, vous faites quoi? Ok, ouais. Myriam, j'ai une surprise pour toi. Ta-da-da-da-da. Toi, bah, t'as déjà une moto, mais. C'est quoi tout ça? Mais t'as sorti de ça d'où? Bah, découvre et. Mets tout par terre, mets tout par terre, mets tout par terre. Quoi, ça que tu lui as offert là? Elle a des boucles d'oreilles. Ah, ça, je sais, c'est quoi? C'est du slime. Les gars, je suis vraiment content de pas avoir ce cadeau, c'est vraiment nul. Je suis avec Myriam, on va faire le repas du soir, les gars. Et dans ce sac là, normalement, il y a un fast food rouge et un fast food jaune. J'espère que c'est le cas. Myriam, tu veux qu'on mange sur le lit là? Mais Yacine, il va péter un câble et il va dire que j'ai mis des miettes sur mon lit. Nanana. Non, t'inquiète, on s'allie pas. Ça fait un grand lit, au moins on a une bonne table. Parce que si on descend pas, on va partager avec papa et tout le monde, c'est relou. Pas grave, vas-y. Alors ouvre. Après, c'est toi qui nettoie tout. Hein. Ok. À chaque fois, ils nous mettent des pièges pour pas qu'on ouvre. On commence par. My Big Burger, ça c'est à toi. C'est jaune, normalement, je me suis pas trompé. J'ai fait une vraie commande, les gars, pour Myriam. Regardez-moi, ça c'est bien jaune là. Ouais, c'est bien jaune. Fais voir, regarde comment c'est à l'intérieur. Ça, c'est, les gars, c'est un burger raclette. Ouvre un petit peu à l'intérieur. Oh là là, vas-y, je te laisse tester. Je te laisse tester, après, je testerai moi. Les gars, c'est le nouveau burger raclette celui-là. Ah là 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 là. Franchement, autre sauce de jaune. Le fromage, ça me fait grave penser à une raclette. Le poulet, oh là là, ça me fait penser quand on a fait une vidéo et en gros, on mangeait du poulet pépé chicken. C'était incroyable. Et bah, c'est le même poulet. Oh, regardez les gars. C'est pas des frites, c'est des pinch. Non, je rigole, je sais pas comment ça s'appelle. C'est des frites gaufres. Ouais, voilà. Ça, les gars, skip, c'est meilleur que des frites. C'est un truc de ouf. Super salé, incroyable. Franchement, c'est presque meilleur que les frites. C'est impossible. Presque. Ah, les frites, c'est meilleur. En vrai, les deux, c'est exico. À mon tour, les gars. Bismillah. On va taper un méchant croc. Hey, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Ah oui, désolé, j'ai oublié. On a une petite box. J'espère que ça, c'est pour moi. Nous avons. Une, c'est jaune. Oh là là. My chicken, my poulet, my coot. Mange, 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 mange. Bismillah. C'est marron, les gars. Ce qui paraît, mon cousin m'a dit que c'est le meilleur poulet de tout qui existe. Il est super bon. Non, franchement, il est bon. Wow. Le changement d'expression, t'es bipolaire? C'est bien fondant, c'est bien croustillant, sans bien de poulet. Franchement, je valide, les gars. Pepe Chicken, c'est une dinguerie en termes de poulet. Des frites rouges. Elles ont trop bronzé au soleil. Trop stylé. C'est de la carotte. Wow, n'importe quoi, c'est des frites de patates douces. Bismillah. Elles sont bonnes. Comment il a fait, les gars, fast food cuisine pour faire un restaurant aussi bon? S'il y en a qui n'ont pas encore testé, les grains, allez tester, franchement, c'est de la bombe atomique. Oh, une boisson, mais ça, c'est jaune tropico. Ah ouais? Ah, du coup, ça à toi, ok. Bien rouge, bien pimenté. Vous êtes chaud, je la goûte? Sauce vas-y, pimentée? Vas-y. Allez, on y va, bismillah. Ah, tes bruits de bouche, là, arrête. Désolé. Ah, en vrai, ça pique au début, mais à la fin, c'est parti en temps. Non, ça va, c'est pas du piquant, genre, ça pique au début quand tu mets dans la bouche. Il y a une sauce jaune. Nous avons. Oh! Le poulet, il fait la taille de ma maison. What? Tout à l'heure, c'était des wings, et là, c'est des tenders. Bismillah. La famille, aujourd'hui c'était une journée magnifique, on a trop bien mangé. Dites-moi en commentaire quelle couleur on fait pour la prochaine fois. Dites-nous dans les commentaires, on prendra celui qui a le plus de likes. Nous on vous laisse là. Ciao, ciao!